Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour Saskia. Eh bien, je vais rappeler, dans la semaine dernière, la dépouille du colonel Beltram a quitté la cour d'honneur des Invalides aux accents de la marche funèbre de Chopin. Le ciel était à l'unisson de nos larmes et même les plus solides avaient le cœur serré. Cette célèbre marche fut composée en 1837, avant que Chopin ne l'intègre en 1839, alors qu'il résidait à Nohant chez George Sand, comme troisième mouvement de la sonate opus 35, numéro 2, en si bémol mineur. Cette sonate n'est certes pas sa meilleure, elle fut d'ailleurs mal accueillie par les critiques, et Schumann la jugeait décousue, disant qu'elle regroupait les quatre enfants les plus turbulents de Chopin. Certes, mais le lento de ce troisième mouvement transmet parfaitement le désespoir intime du compositeur, avec quelques mesures qui, au milieu du mouvement, marquent une lueur, sinon de bonheur, du moins peut-être d'acceptation. Le mouvement commence en effet en si bémol mineur, s'ouvre quelques instants au milieu du lento en ré bémol majeur, puis se termine sur la même mélopée funèbre. Les marches funèbres sont nombreuses dans le répertoire et obéissent quasiment toutes au même mode opératoire, en mineur, sur un tempo lent à deux temps qui permet d'accompagner la dépouille du héros porté à bras par ses camarades. Sans égaler l'extraordinaire célébrité de l'œuvre de Chopin, de nombreux compositeurs ont sacrifié au genre, les deux plus fameuses étant sans doute la marche funèbre qui accompagne Siegfried dans le Crépuscule des Dieux, et le deuxième mouvement de la symphonie héroïque de Beethoven, que celui-ci composa en mémoire, dit-on, des soldats de Napoléon morts pendant la campagne de Russie. Mais on peut ajouter le second mouvement de la septième de Bruckner, le premier de la cinquième de Mahler, Saul de Handel ou la grande marche funèbre de Schubert, Mozart, Purcell, et j'arrête là cette énumération d'une impossible exhaustivité. Revenons à la marche funèbre de Chopin, qui fut d'ailleurs jouée à ses obsèques au Père Lachaise. Une version orchestrale en fut écrite par Edward Elgar, et celle-ci est donc régulièrement jouée lors d'obsèques nationales. Les soviétiques en firent un usage immodéré, elle a accompagné Staline, Brejnev et bien d'autres dirigeants. Elle a accompagné aussi John Fitzgerald Kennedy et la dépouille de Yasser Arafat quand il quitta le sol français, donc sur ses accents. Je n'ai pas choisi la version orchestrale solennelle et adaptée à des lieux majestueux, mais je vous propose d'écouter ma version préférée, évidemment pour piano, l'authentique, moins pompeuse, mais finalement plus émouvante. Et j'ai choisi évidemment un pianiste polonais, Jan Eckler, qui fut d'ailleurs président à trois reprises du concours international Frédéric Chopin. Troisième mouvement de la sonate, opus 35, numéro 2, en si bémol mineur, marche funèbre. Roselyne Bachelot. On ne peut pas ne pas s'être emporté par l'émotion qu'on entend la marche funèbre de Chopin. Et je pense que les auditeurs peuvent trouver les références de cette version sur notre site internet. Absolument. Pour se l'écouter dans son entièreté. Merci Roselyne. Merci. Cette chronique est à réécouter, à podcaster sur francemusique.fr. Et bien sûr, on vous attend la semaine prochaine. Bon week-end Roselyne. Merci.